L'Agence internationale pour l'énergie nucléaire dénonce un incident grave à Zaporijjia, en Ukraine. La centrale a été visée lundi par une attaque de drones. Arrivée de soldats allemands en Lituanie pour former une brigade qui sera opérationnelle en 2027. Objectif, renforcer le flanc est de l'OTAN. Plusieurs Palestiniens ont été tués ce lundi dans le bombardement du sud de la bande de Gaza. Israël a annoncé le retrait de ses troupes de cette partie du territoire. Que s'est-il passé à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine ? L'installation a été visée par des attaques de drones lundi. Moscou accuse Kiev d'en être responsable. Le chef du service des renseignements ukrainiens a démenti. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire, a confirmé l'existence de dommages sur l'un des 6 réacteurs. Il s'agit d'un incident grave, susceptible de compromettre, selon elle, l'intégrité du système de confinement du réacteur. Le chef de l'AIEA, Mario Grossi, a dénoncé des attaques qui augmentent considérablement le risque d'un accident nucléaire majeur. Il demande aux décideurs militaires de protéger les installations. Zaporijjia est la plus grande centrale de ce genre en Europe. Elle est désormais dans un territoire contrôlé par l'armée russe. Moscou précise que ces attaques de drones ont fait 3 blessés. Arrivé ce lundi à Vilnius du premier contingent de troupes allemandes stationnées en Lituanie. 150 soldats supplémentaires arriveront en octobre, selon le ministre lituanien de la Défense. Ils feront partie d'une brigade qui doit être créée l'année prochaine et être pleinement opérationnelle d'ici 2027, avec au total près de 5000 soldats allemands. Objectif, renforcer le flanc est de l'OTAN face à la menace russe. La Lituanie partage une frontière avec le Bélarus, allié de Moscou, mais aussi avec l'enclave russe de Kaliningrad. Moscou se dit préoccupé par le déploiement de troupes allemandes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué une escalade des tensions, créant selon lui des zones de danger pour la Russie, qui annonce devoir prendre des mesures extraordinaires pour garantir sa sécurité. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a salué les soldats à leur départ de Berlin. Certains seront rejoints par leurs familles. Israël continue de bombarder le sud de la bande de Gaza ce lundi, malgré l'annonce du retrait de ses troupes. Le ministre de la Défense a justifié cette opération pour préparer la poursuite des missions. L'un de ses objectifs est de lancer l'assaut sur la ville de Rafah, à la frontière égyptienne. Quelques heures après cette annonce, les bombardements ont fait plusieurs morts côté palestinien. Au Vatican, le pape François a reçu des familles des otages détenus par le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou demande leur libération pour accorder un cessez-le-feu aux Palestiniens. À La Haye, la Cour internationale de justice se penche à nouveau sur cette guerre, lundi et mardi. Le Nicaragua attaque l'Allemagne pour son soutien militaire à Israël. Managua estime que Berlin se rend complice de la violation du droit humanitaire dans l'enclave palestinienne. Près de la moitié des armes importées par Israël en 2023 venaient d'Allemagne. 11 attaques repoussées et 16 bateaux escortés en mer Rouge par les navires de l'opération Aspid. C'est le premier bilan de la mission lancée il y a moins de 2 mois pour protéger le commerce maritime par le canal de Suez. Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, les rebelles houthis ont mené près de 80 attaques contre des bateaux commerciaux dans la région et dans le golfe d'Aden. Le groupe, soutenu par l'Iran, considère l'État hébreu comme un ennemi et assure que ces assauts sont une réponse au conflit dans la bande de Gaza. Face à cette menace, les navires ont besoin de 10 à 14 jours supplémentaires pour transporter leurs marchandises vers l'Europe, ce qui augmente les coûts. The Houthis clearly position themselves, it's not a secret, as defenders of the Palestinian cause. And this certainly has given them increased popularity in the wide Muslim world. From our side, we just want to ensure freedom and security of navigation. And we hope that we could control the situation and this will not expand to a wider geographical zone.
13% du commerce international transite par la mer Rouge. 70 navires passaient quotidiennement par le canal de Suez, mais à cause de la menace, seule la moitié du trafic emprunte désormais cette voie. 4 États membres de l'Union ont envoyé des frégates dans la zone et 19 autres contribuent à l'opération. Les forces européennes ont abattu jusqu'à présent 9 drones, un navire de surface sans pilote et 4 missiles balistiques. Le mandat de l'opération est une intervention défensive, secourir les navires attaqués et accompagner les bateaux. Le commandant des opérations souligne qu'ils ne peuvent que répondre aux attaques et non les initier. We are not attacking them, though we could, let's say, but we have a different mandate. So if you see it on the military perspective, what we are doing is the worst case, let's say. It's the more difficult part. We have to wait all the time, being shot at. So you have to bear that in mind. So we are patient and we are stick to our mandate. 2 mois après le lancement de la mission, le commandant souligne la meilleure coordination des forces européennes avec les autres opérations dans la région, comme celle menée par les États-Unis. La République tchèque prévoit la construction de 4 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2050. Un investissement conséquent de plusieurs milliards d'euros, le plus important de l'histoire du pays, qui répond à l'ambitieux plan de transition énergétique du gouvernement. 2 entreprises sont en concurrence dans l'appel d'offres qui a été lancé, la française EDF et la sud-coréenne KHNP. V obou dvou těchto jaderných elektrárnách navýšit tento výkon a zkombinovat to s obnovitelnými zdroji. EDF et KHNP ont encore quelques jours pour soumettre les offres qui seront évaluées par la Société nationale énergétique tchèque, puis par le gouvernement. La construction du premier réacteur est prévue pour 2036. Selon un sondage exclusif Ipsos Euronews, les Tchèques font partie des Européens les moins préoccupés par le changement climatique. Seuls 34% d'entre eux considèrent l'engagement pour le climat comme une priorité, alors que 21% s'y opposent. Si le nouveau président slovaque élu est Peter Pellegrini, le grand vainqueur de l'élection est Premier ministre et se nomme Robert Fico. Avec 53% des voix, le candidat qu'il soutenait s'est offert une majorité claire pour présider la Slovaquie et ses 5 500 000 habitants. The election result means that both the government and the president will be from the same political spectrum. Peter Pellegrini, he framed his campaign as if he is elected, there will be a calm and quiet situation for the government, which obviously will be following the elections and following the fact that Peter Pellegrini is one of the coalition leaders, his party is the key coalition player, and now he'll be the coalition president sitting in the presidential office and very probably harming the government or not putting any obstacles in front of the government's agenda. La formation social-démocrate de Peter Pellegrini est partie intégrante de la coalition gouvernementale avec le parti de Robert Fico et un autre d'extrême droite. En menant une campagne souverainiste teintée d'euroscepticisme, Peter Pellegrini a battu Ivan Korchok, ex-diplomate favorable au renforcement des liens avec les partenaires européens et de l'OTAN. Dans le sillage de la politique pro-russe de Robert Fico, Peter Pellegrini n'a pas hésité pendant sa campagne à accuser son rival de vouloir entraîner la Slovaquie dans la guerre en Ukraine, en reprenant les éléments de langage de son allié hongrois Viktor Orban. Also during his last night speech, he still expressed himself as being committed pro-European, committed pro-NATO, but still said that we need to protect the Slovakian interests. So still playing this two-side or two-face role. So we'll see how he's gonna turn up once he's the president. Peter Pellegrini doit prendre ses fonctions de président le 15 juin prochain. Des listes transnationales dans l'Union européenne restent encore un rêve, loin de devenir réalité. Lors du scrutin continental en juin, les électeurs des 27 États membres choisiront des candidats sur des listes nationales, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent. Certains partis aimeraient pourtant changer cette donne.
I think many citizens are actually quite excited by the idea, but it has been blocked by national politicians who were not excited by the idea that citizens could actually themselves choose from European candidates. But I'm sure it's the future. It will come. If it's not in 2024, then 2029. Le Parlement européen a approuvé il y a deux ans la mise en place d'un collège transnational avec l'élection d'un petit groupe de 28 eurodéputés de différentes nationalités à partir du vote de tous les citoyens européens. Mais les États membres ont refusé. Le parti Volt, qui défend le même programme dans 16 pays différents, met en place une liste transnationale symbolique emmenée par les députés européens Sophie In 't Veld et Damian Buselager avec des candidats issus du continent. Mais sur les vrais bulletins de vote, des noms différents seront imprimés. This list that we're forming is not really going to be able to run. However, for us, it was very important to put it out as a symbol of the kind of Europe we want to see. And in fact, you will notice that in our list, we also foresee candidates from Albania, which is not a member state, but it's a candidate to become. Les listes transnationales sont présentées comme l'une des pistes pour créer un débat politique et une élection véritablement à l'échelle européenne, et non pas l'addition de 27 scrutins différents. C'est la raison pour laquelle les partisans de ce projet font l'objet de critiques de la part des partis nationalistes et souverainistes.